mange que du rose pendant 24 heures au Japon. Aujourd'hui, on se retrouve à Tokyo et on commence directement avec un daifuku rose à la fraise. C'était grave bon et pour accompagner ça, on a pris un churros. Hein, c'est un churros rose. Et pour qu'il soit rose, ils mettent du chocolat blanc aromatisé à la fraise dessus. Bon, pour être honnête, c'est pas très bon, c'est surtout chimique. Ensuite, on a pris des warabi mochi aux fleurs de sakura. Alors, les warabi mochi, c'est fait avec de l'amidon de fougère. Et la poudre que tu vois dessus, c'est de la farine de soja grillée. Allez, c'est parti, on continue juste avec une glace à la fraise. On s'arrête pour boire un sirop de cerisier des fleurs du Japon. C'était vraiment pas mal. Petit stop dans un magasin de bonbons, histoire de prendre des chamallows en brochette. On continue avec un feuilleté avec de la crème de fraise à l'intérieur. C'était pas mal. Histoire de se rafraîchir, on a pris 7 oursons. C'est juste du lait à la fraise. Rien d'extraordinaire. Et ensuite, on est allé dans ce café et on a trouvé un truc vraiment trop drôle. C'est tout simplement ce pudding en forme de chat qui bouge dans tous les sens. Alors, c'est marrant, mais niveau goût, c'est pas foufou. On dirait un flan à la